homard. Dans les premiers moments de l'invasion, c'est le sacrifice héroïque du cavalier Antoine de Font, fraîchement mobilisé et honoré régulièrement depuis lors devant le monument érigé à sa mémoire, grâce à une souscription publique auprès des habitants de Thymistère. Ce devoir de mémoire est important et nous nous devons de le léguer aux jeunes générations. Pourquoi des millions de morts, des massacres, des horreurs? Pourquoi la leçon n'a-t-elle pas été retenue? Pourquoi dans le monde des guerres sont-elles encore menées au nom de raisons politiques, ethniques ou religieuses? Allez, on va se voir là-bas.
Cavalier Franck pour un dernier hommage. Et les valeurs dont nous bénéficions aujourd'hui, eh bien cette volonté de reconnaissance à traverser l'histoire, parce qu'ils ont souvent accompli leur devoir dans la boue et dans le sang. L'aumônerie militaire belge a toujours été sensible et reconnaissante envers nos aînés, dans l'hommage qui leur est dû. Probablement parce que dans toute l'histoire de notre pays, à certains moments difficiles, les aumôniers accompagnaient, et tout particulièrement durant cette grande guerre. Un acte de bravoure, on fait et refait notre... Juste à côté ici, vous repose le cavalier Franck. On pourrait entendre une petite brise légère susurrer à nos oreilles. Étrangers, va dire à l'Europe et le monde qu'ici nous gisons pour que ne se reproduise plus jamais pareil carnage. Et quand même, à le répéter, le chef de corps d'une autre prestigieuse unité de la province, à laquelle je suis également attaché, je terminerai par cette maxime. Honneur aux anciens et confiance aux jeunes. Je vous remercie. Toi.
Roi et de l'Ancien. Après avoir proclamé l'union de tous les peuples, vous. La musique royale de la marine va maintenant exécuter la marche de la marine.